Salut à tous. Comment est-ce que vous allez? Je sais pas où est mon élève. Je n'arrive pas à le joindre. C'est une catastrophe. Je l'ai jamais vu en fait. C'est un mec qui m'a pris une heure comme ça là sur Snowball. Qui m'a balancé une réservation, j'ai échangé très peu avec lui. Et du coup j'ai essayé de le contacter il y a une petite demi-heure pour lui donner le Discord, mon betag pour parler, je t'ai contacté via la plateforme, mais je n'ai rien. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, excusez-moi du retard. Ah, pas de soucis, je m'inquiétais un peu. Ouais, j'étais à l'extérieur, je me suis dépêché pour rentrer. Ah, pas de soucis. Je t'ai envoyé un petit lien Discord. Ouais. Est-ce que tu penses pouvoir me rejoindre? Ah, voilà. Bon, j'ai quelqu'un au moins. Au moins, on a quelqu'un. Bah oui. C'est normal. C'est la première fois. Après, s'il peut pas Discord, c'est pas grave. C'est vrai que ouais, j'ai essayé de m'y prendre un peu en avance sur une petite demi-heure et je voulais faire connaissance, quoi. C'est pas grave. Hein. Heureusement, j'enchaîne pas tout de suite avec le deuxième cours. Aïe aïe aïe. J'ai un peu de marge. Salut, Prob. Ouais, salut. Ah, nickel. Attends, je vais juste switcher histoire qu'on soit tranquille. Voilà. Bon, comment ça va? Bah écoute, ça va, tranquille. Bien. Bon, super. Tranquille, tranquille. T'as mangé. Ouais, c'est ça. Bon, j'avais essayé de te contacter un petit peu avant, histoire qu'on puisse échanger avant de faire le cours. Ouais. Bah, pour avoir déjà plus de renseignements sur toi, pour que je puisse t'accompagner du mieux possible. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous raconter alors, du coup, sur toi? Oh, bah, après, je suis un gamer depuis l'âge de 15 ans, donc tu vois, ça fait quand même très longtemps. Ouais. Tu as quel âge J'étais là? pas. J'ai 43. 43. Ah oui, d'accord. Oui, ça, oui, ouais, ça fait Donc, un bon voilà. paquet, ouais. Ouais, ça fait. Ouais, trop. en fait, j'ai commencé à jouer à, pour ce qui est d'Overwatch, j'ai commencé à jouer Overwatch à la sortie. J'ai eu des petites pauses, voilà. À un moment, j'avais presque pas joué pendant un an, mais et puis là, je reprends depuis quelques temps. En vraiment perso, quoi. J'ai pratiquement 1000 heures de jeu. Le truc, c'est que, en fait, j'ai été trop FPS, puis j'avoue que j'accroche vraiment bien celui-là. Ouais. Et j'ai juste envie en fait de monter un petit peu en cote, tu vois. Moi, si un jour pouvait arriver, genre, tu vois, arriver aux 3000 de cote, ça me ferait super plaisir, tu vois. C'est vraiment un D'accord. objectif, peut-être sur un an, tu vois, D'accord. histoire d'améliorer un peu mon gameplay, et puis peut-être, voilà, juste c'est juste histoire de progresser, parce que je suis comme ça, j'aime pas trop rester statique, j'aime bien progresser dans tout ce que je Ouais, fais. t'en es où là du coup? T'en es où à peu près? Bah écoute, j'ai réussi à un peu progresser ma cote tank. Je suis monté à pratiquement 1800, D'accord. 1700 je crois. Après, bon, je pense que j'ai pas mal de. Parce que, enfin, Overwatch, c'est un jeu d'équipe. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je comprends pas. Ouais, ok. Beaucoup de Je pense qu'il y connaissances a de plein de jeu. choses. Ouais, que des trucs que je. Enfin, voilà, j'ai pas mal regardé de vidéos, donc j'essaye d'améliorer mes placements pour
pour profiter des couvertures, de la couverture naturelle, ce genre de choses-là. Donc j'en suis. Le truc, c'est que j'ai pas un bon aim. D'accord. Je sais que ça, c'est un truc qui pêche et j'ai beaucoup de mal à l'améliorer. Alors peut-être dû à l'âge, je sais pas, mais Bah voilà, disons que vu l'âge, tu sais, moi, bon, j'ai pas ton âge, Ouais, non, mais hein, je sais, mais les... tu perds des réflexes en fait. Et jouer Je sais, je sniper, sais. passer la trentaine, t'es Oui, comme non, mais moi, c'est pour ça, t'oublies moi, c'est pour ça que sniper, quoi. c'est pour ça que je joue plutôt, voilà, c'est pour ça que je joue principalement tank, tel que Reinhardt ou tel que Sigma, principalement en Ok. tank, parce que justement, je sais qu'il y a quand même besoin de moins de aim. Après, je pense qu'il y a des connaissances du jeu global, où, ouais, je fais plein d'erreurs. Je sais que je fais des erreurs. De temps en temps, je regarde mes vidéos et je sais que je fais des erreurs. Ah, tu fais de la review perso? Un petit peu, ouais. Ça c'est bien J'ai ça. bah, de, depuis qu'ils ont depuis ça fait quoi, un peu plus d'un an, je crois, qu'ils Ouais, ont. ouais, ouais. Enfin, un an et demi, j'en sais rien. Mais Ouais, oui, c'est c'était pas là au voilà. début quoi. Ouais, c'était pas là au Et début. Et t'arrives à donc... te review tout seul? T'arrives à être capable de dire là, à tel moment, Ouais, j'avais bah oui, non, telle mais je crois. Je... alternative hein? Ouais, mais je... après, comme je te dis, j'ai pas de connaissances, on va dire, des bonnes habitudes. D'accord. Des bonnes choses à faire, donc c'est assez difficile, mais oui, je vois des fois avec Reinhardt, machin, je dis voilà, j'ai fait de la merde, j'ai chargé, j'aurais pas dû, voilà, tu vois, tous ces genres de D'accord, choses-là. Donc, tout ce qui a des sanctions immédiates, tu es capable de le voir. ouais, Est-ce ah que tu es oui. capable de voir des actions que tu fais Ouais. qui semblent anodines et qui par contre entraînent des conséquences dramatiques pour ton équipe? Bah, je pense que non. D'accord. Typiquement, voilà, c'est pour ça que je veux du coaching aussi, c'est parce que je pense clairement que j'ai pas ce Ok. genre de connaissances-là. Ok, Et je juste. pense que c'est des connaissances, je suis sûr qu'il y a des petits trucs, même des conneries. Si je les changeais, je suis sûr que tout de suite ça améliorerait. Bon, je te prends un exemple hein, d'un élève que j'ai eu. Ouais. Il est arrivé tout début de fight, tout début, Ouais. hein. Il est sur Ouais. la choke, il est en défense. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une flame strike. Donc tu dis ok, Ouais. pourquoi pas? Il a envie de charger son ulti. Ouais. Manque de peau, il se fait endormir par la nade en face. Ouais, Manque ouais. de peau, il y a une grenade de Ana qui passe par-dessus. Du Ouais, coup, ouais, ça fait que Sazaria, elle est obligée de claquer sa bulle. Sana, ouais. elle est obligée de claquer sa grenade pour le soigner tout de suite, etc. Et ça fait un effet domino où une Ouais. action d'un côté fait Ouais, un effet oui. en chaîne et t'as plus de ressources après pour te défendre. Ouais, bah ouais, bah tu vois, tout ça, la gestion des Ouais. ressources, tout ça, alors ça, c'est un truc... Non, je... Voilà, D'accord. c'est quelque chose que j'ai pas conscience, enfin je m'en doute, mais ouais, non, c'est je pars de loin. Ok, C'est ok. vraiment, je pars de loin. Non, c'est intéressant. C'est justement moi, c'est ce que je préfère faire en fait Ouais. dans le coaching. C'est essayer de théoriser un peu le jeu, Ouais. de t'amener à essayer de comprendre que Overwatch est un jeu d'économie. Un peu comme Ouais. quand tu fais avec un compte en banque, quoi. T'as des ressources, t'en gaspilles, t'en gagnes. Ouais. Et une fois que t'as compris ça, une fois que tu as compris également le contexte de jeu, c'est-à-dire le contexte c'est quoi? C'est la map, sa géométrie. Est-ce qu'il y a des hauteurs, pas de hauteurs? Est-ce qu'il y a de grandes lignes? Est-ce qu'il y a beaucoup de corners? Des choses comme ça. Ça va imposer le fait de jouer un certain type de composition. Ensuite, tu mets en compte la notion des ressources. Est-ce que tu as ton ulti? T'as pas ton ulti? Est-ce que ton shield est plein? Pas plein, il est cassé. Est-ce que tu as beaucoup de vie? Pas beaucoup de vie. Et tu mets tout ça en lien, en relation. Et c'est à ce moment-là que ça va te créer des opportunités d'agression ou que ça va demander que tu joues plus lentement. Voilà, c'est vraiment ça qui va t'imposer. Et au final, le jouer Overwatch, c'est énormément de lecture. De ces choses-là. C'est pas surtout sur du tank, c'est pas des mécaniques incroyables qu'on va te demander. Voilà, c'est beaucoup de compréhension de jeu. Et c'est des choses qui sont facilement coachables et sur lesquelles tu vas avoir un axe de progression qui est très élevé. Parce qu'on est que sur de la théorie, c'est-à-dire que même sans jouer, tu peux comprendre. Alors que quand tu veux jouer Genji ou Fatal, bah, je suis désolé, mais il va falloir enquiller les heures de jeu, quoi. Donc c'est pas mal. Petite question du coup, c'est juste par curiosité personnelle, du coup comment t'es venu à sur Snowball et moi précisément? Bah, comme je te dis, ouais, j'en avais marre. Enfin, il y a au début du jeu, j'étais, enfin, quand la
quand le compétitif est sorti, j'arrivais parce que j'arrivais à monter, j'étais arrivé à monter à 2500 de cote. Ah oui, quand même. C'est pas mal Ouais. ça. Bah ouais, parce que il n'y avait pas la roll queue et que en fait comme je suis un peu flex, enfin je suis un peu flex, ça veut dire que j'ai tendance à toujours jouer le healer parce qu'il manque un healer ou le tank parce qu'il manque un tank. Parfait ça. Et ce qui fait que bah ça typiquement ça permettait souvent sur des games d'avoir une bonne compo. Et puis même si les gars en face étaient un peu meilleurs, bah vu qu'ils n'avaient pas la bonne compo parce qu'il y avait trop de DPS, et bah on arrivait à gagner et donc j'étais réussi à monter à 2500 de Ça, cote. c'est bien. Avec la roll queue, ça c'est plus le cas aujourd'hui. Mais Alors. c'est trop, beaucoup trop fin. Enfin, je veux dire, t'as deux tanks, deux DPS, deux trucs, donc c'est un peu différent. Le jeu a changé. Et ouais, et résultat, bah, ça me saoule d'être à moins de 2000 de cote déjà. Puis j'aimerais bien, alors ce sera de la progression, sûrement avec encore d'autres heures de coaching. Mais j'aimerais bien monter un petit peu parce que j'aime beaucoup le jeu. J'ai quand même 1000 heures dessus, donc Ah, ce qui est c'est pas pas mal. C'est pas monstrueux, mais mal, c'est hein? quand même pas mal. Ah oui, c'est Voilà. pas mal. Miller, c'est pas mal. Bah, j'aimerais bien grimper un peu juste pour voir ce que ça donne. Même juste 2000, enfin, 3000, c'est vraiment un objectif, on va dire, presque utopique. Ouais. Oh, faut croire en ses Non, rêves, non. hein, comme on dit, hein. Oui, voilà, Je c'est pense ça. que Non, c'est mais voilà, possible, hein. c'est un objectif lointain, mais voilà, au moins remonter à 2500 de cote, 2400, 2500 de cote, retrouver. Parce que le problème, c'est que là, à 1600, 1600, 1800 de cote, c'est juste affreux, quoi. C'est un peu ce qu'on appelle, enfin, je sais pas si ça existe, mais La jungle, le LOL, la ouais, et jungle. que des fois, Ouais. j'avance, je me retourne, il n'y a personne derrière moi, quoi. Je fais. Ouais. Alors, ce qui va C'est. être dur sur un niveau comme ça, c'est que même si toi, du jour au lendemain, tu t'as tout compris au Oui, jeu, bah, il y si en les aura mecs plein d'autres avec qui viennent. toi, ils comprennent pas, il va falloir que tu sois capable d'aller les accompagner et de les guider et de leur dire, et surtout quand tu joues tank, hein, quand tu joues tank, tu vas pouvoir dire, les gars, suivez-moi, on va faire ça, ça et ça. Et là, D'accord. si te suivent, c'est ok. C'est ça qu'on va essayer de regarder. Ok, super. Est-ce que tu as pu faire quelques games et tu as des games que tu voudrais qu'on regarde? Ah, c'est parfait. Alors, pour bien faire, alors je vais pouvoir te partager soit sur Discord, soit sur Twitch, comme tu le veux. Je vais te partager mon écran. Et on va aller D'accord. regarder une des games que tu as faites. Et je D'accord. t'explique un peu comment ça se passe. Moi, je vais lancer ta game. Et Ouais. on va l'analyser ensemble. Genre dès le D'accord. début, quelle est la composition que tu aurais dû jouer, pour quelle raison? On va essayer de théoriser là-dessus. Par rapport Ça à ta marche. composition, quels sont les éléments de victoire? Sur quoi tu dois essayer d'aller jouer? Par rapport à la composition d'en face, sur quoi tu dois essayer d'aller contrer? Tu vois, où est-ce que tu dois te positionner et comment tu vas contrer ça? Voilà, grosso modo. Et puis après, à chacune des actions clés, on fera une petite pause, un petit focus, et on va essayer de regarder les conséquences de ton action derrière. D'accord. Et on va essayer de regarder également toutes les alternatives que l'on pouvait avoir. Et c'est là que tu D'accord. vas te rendre compte que toi, tu vas fonctionner par un schéma, par automatisme. Il y a 1000 heures, t'as 1000 heures de jeu. Et donc, toutes tes prises de décision sur un FPS rapide, ben, Ouais. malheureusement, tu es obligé de les automatiser. Tu peux plus Ouais. t'arrêter, Oui. penser, mettre pause. Et donc, tu rentres dans des schémas décisionnels qui sont quasiment constamment les mêmes. Et là, on va devoir essayer de se faire mal. On va dire, ah, ça, Ouais. sanction. Oh, mais Sanction, ça sanction. t'inquiète pas, j'ai l'habitude de me faire mal, je suis quelqu'un qui est capable de me remettre en question Bah c'est complètement. parfait, parce que c'est comme ça qu'on progresse le plus. Alors, c'est parfait. C'est pour ça que j'ai pris la séance de coaching d'ailleurs, c'est parce que je me dis qu'il y a plein de choses que je fais mal et qu'il faudrait que je comprenne pourquoi. Parce qu'après, être capable d'analyser ce que je fais mal tout seul, c'est compliqué, quoi. Et ouais. Mais du coup, pourquoi t'es venu chez moi et pas un autre j'ai pas compris la question. Écoute, je sais pas, c'est parce que Fumer? tu avais pas mal de commentaires positifs, Ouais. que y en a d'autres, ça avait l'air, celui d'après ou je sais plus quoi, ça avait l'air d'être plus du coaching d'équipe carrément, presque niveau pro, je sais plus, ou des Ouais. trucs très élevés, et que bah Bah c'est pas c'était du tout le le cas. coach équipe de France en fait, le Oui, donc deuxième. moi c'est pas mon cas, je veux dire, j'en suis pas là. Ça roule. Bon, voilà, je sais pas. Tiens, Je suis arrivé là. je t'envoie le lien du Twitch. À la D'accord. fin du cours, je te fais un export D'accord. de cette vidéo-là. Comme ça te permettra d'y retourner
et de re-revoir le cours qu'on vient de faire ensemble. D'accord. Comme ça, voilà, à tête te reposer. Là, il y a plein d'informations que tu vas voir, et à tête reposée, tu pourras mieux les assimiler et les re-regarder. Donc, tu auras un D'accord. export YouTube après par la suite. Puis comme ça sera pas trop mal. Ok. Alors moi je vais juste lancer le jeu, tu me dis quand t'es ok. Là, c'est bon, là, le jeu est lancé. Là, je suis sur la liste des games que j'ai sauvegardés Parfait. et. Alors faut que tu me passes la game qui dans laquelle t'as été le plus perdu. C'est-à-dire que typiquement la map, tu sais pas comment on la joue, tu sais jamais quoi jouer comme composition dessus. Ou alors tu as Ouais. eu énormément de difficultés mais tu sais pas pourquoi et t'aimerais savoir. Je pense qu'il faut qu'on Ouais. parte sur une game comme ça plutôt que sur une Ouais, game où une t'as game. gagné quoi. Ouais, bah après, les cartes, je les connais tous vraiment. Enfin, je les connais toutes super bien. Maintenant, je ne sais pas si les bonnes compos sont dessus. Sachant que moi, de toute façon, je t'explique comment je joue tank aujourd'hui en roll queue. J'attends de voir principalement quel tank prend mon coéquipier, le Ok. deuxième. Si c'est un off-tank, c'est-à-dire n'importe quel, enfin Zarya ou machin, je prends Reinhardt principalement. D'accord. Et si c'est un main tank genre Reinhardt ou Ok. Orisa, je vais prendre Sigma. Ok, Voilà, c'est comme ça je que ça je joue. on va justement voir dès le début là, une fois que tu me donnes la game, Alors, comment une est-ce comment on fait une perdue, équipe? bah écoute, je sais pas, Busan par exemple. Allez, Busan, c'est bien parce qu'il y a trois maps et c'est des compositions qui sont différentes. Ça, c'est pas Ouais, mal. alors là, on n'a pas eu le temps de faire les trois maps. Pas grave. Et après, je fais quoi? Je clique sur voir, c'est ça? Non, tu fais exporter. Partager. Ouais, partager. Et là, du coup, tu me dictes le code, moi je le tape et après, comme ça, je l'aurai. Alors, DCMGTZ. Excuse-moi, DCMGTZ. DCMGTZ. On va tester comme ça. Partie chargée, Busan. Parfait. Tu me dis si tu es sur le stream là. Ouais, ça y est, je suis sur. Très bien. Donc là, tu me dis si t'as pas trop de décalage. Si t'as trop de décalage, je te le stream sur Discord. J'ai Alors, un petit peu de décalage. t'as un petit peu de Enfin, je décalage? vois, ouais, je vois ta bouge. Alors, c'est simple. Je vais te faire un appel sur Discord. D'accord. Hop. Voilà, est-ce que tu m'entends? Ouais, tout Là, à t'as fait. l'écran en entier. Ok, et là, Pardon, t'as pas de décalage. je ferme Twitch. Ouais. Oui, tu peux le fermer. Là, tu vois, je suis en train de dessiner. Tu le vois en direct. Là, je suis à la lettre A en ce moment. Tu vois, je viens de la finir. D'accord. Ouais. Donc là, Ok. c'est plus en direct. Ouais, On ça fait ça marche. comme ça. Ouais. Donc. Ouais, là, y a moins de décalage, je le vois par rapport à ta bouche et tout ça, Ben donc c'est ouais, bah c'est important que tu vois le truc en direct. Donc là, du coup, tu vois, j'ai mon petit truc pour te faire des dessins, pour te dire faut que tu bon. passes par D'accord. là, voilà, ça sera plus sympa. Alors, comment ça se passe? Alors, tu m'as dit, je me connecte, je regarde le tank, et moi je Ouais. complète. Alors, la bonne façon de faire pour construire une équipe, donc là, c'est une façon de faire assez chic. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très aidant, qui dit tiens, je vais aider mon équipe. Le problème, Ouais. c'est que le mec avec qui tu joues, si lui ne sait pas choisir son personnage et qu'il choisit n'importe Ouais. quoi, Ouais. t'es bloqué. Donc, tu as une chance sur deux déjà que la compo elle parte pas bien. Je te prends un D'accord. exemple, tu arrives sur Numbani, tu arrives sur Gibraltar, et puis ton collègue il prend Rodog. Ça arrive souvent. Et Ouais. tu prends quoi toi? T'es embêté. Et donc du coup, si t'avais pris un personnage avant lui, peut-être que tu lui aurais imposé un style de jeu. Alors comment on choisit une composition? Donc pour choisir une composition, en premier, tu regardes la map. Tu te dis sur quelle map je joue. Tu regardes la géométrie. Et Ouais. là, tu vas te poser d'autres questions. Est-ce que il y a des hauteurs à aller contrôler? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des hauteurs, il n'y a pas de hauteurs. Ouais, sur Numbani, sur celle de la carte, celle-là, typiquement, il y en a pas mal déjà. Exactement. C'est-à-dire que si toi tu joues en bas sur le point et qu'eux sont en haut et qu'eux ils sont avec une compo où ils ont une range qui est longue, c'est-à-dire que je sais pas moi, des scans, des soldiers, des Makri, des Orisa qui peuvent tirer de loin et que toi tu joues Reinhardt et que t'es en bas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lever ton shield et tu vas Ouais. attendre. Donc déjà ça va pas bien se passer. Donc déjà D'accord. l'étape principale c'est tu regardes la map. Est-ce qu'il y a des hauteurs? Est-ce qu'il y a des corners? Et est-ce qu'il y a de longues lignes? D'accord? D'accord. Donc je prends l'exemple de longue ligne.
je vais tout mettre au pluriel. Tu as Bon, t'inquiète, je fais plein d'erreurs d'orthographe aussi, hein, t'en fais pas pour ça. Langlinie, je te prends un exemple. Blizzard World. Ouais. Blizzard World, le premier point que tu attaques, tu Tout à vois, fait. pour y accéder, c'est très loin. Et donc là, sur des lignes qui sont comme ça, il y a des compositions qui vont être plus fortes que d'autres. D'accord. Donc maintenant, je vais te montrer un petit peu les différentes compositions que l'on va pouvoir avoir. Donc, sur les compositions, hop, je vais juste effacer ça. Hop, je reviens au départ. Donc, composition. Il y a trois types de compositions aujourd'hui. Pour bien comprendre, tu vas avoir des compositions dive. Ça te parle un petit peu, dive? Ouais, dive, c'est surtout pour foncer et prendre le point et pas trop forcément beaucoup de boucliers, mais c'est ça. Alors, Oui, c'est dive, l'objectif, c'est ça. Ça va vraiment de être. faire des agressions au bon Ouais. moment. Et donc là, du coup, il faut regarder les caractéristiques de la dive. La Ouais. dive, c'est des compositions qui aiment beaucoup quand il y a des hauteurs, qui est capable d'aller D'accord. contrôler la verticalité. Donc, si tu joues par exemple un Gibraltar ou un Numbani sur lequel il y Ouais. a beaucoup de verticalité, la dive, c'est quelque chose qui va bien marcher. D'accord. Voilà. Ensuite, la dive, elle a beaucoup de mobilité. C'est-à-dire que quand elle joue contre une composition qui est très paquée, je te prends un exemple, Reinhardt et Zarya, quand ils vont jouer contre de la dive, Reinhardt, il va avoir du mal à aller taper le Winston ou la Ouais, tout à D.Va fait. s'il joue bien et qu'il s'échappe. D'accord. Ouais. Ensuite, la dive, elle aime des combats qui sont rapides parce que c'est des gens qui vont sauter dans le tas et ils veulent tuer des targets. Si tu sautes dans le tas que Ouais. tu tues personne, au bout de 3-4 Ouais. secondes, toi t'es mort. Donc D'accord. t'aimes les combats rapides et les cibles isolées. Donc une fois que t'as compris que la dive c'est ça, en fonction de la map et de la composition qu'il y a en face, Ouais, ok. tu te dis, ah, mais là, je vais peut-être plutôt jouer le singe, la diva ou le Hammond. C'est comme ça D'accord. qu'il faut le voir. Ouais, d'accord. Ensuite, il y a des points faibles, hein, c'est la longue portée. Pourquoi la dive elle est pas bonne? C'est parce que quand tu sautes, tu as envie d'atterrir sur ta cible. Ouais. Si tu prends Blizzard World par exemple et que tu dois Ouais. marcher 500 mètres avant de pouvoir commencer à sauter, tu sautes sur la cible alors que tu as déjà plus de vie, tu as plus de ressources. Et D'accord. donc du coup, t'aimes pas trop ça, t'aimes pas les longues lignes. T'aimes pas du coup ceux qui spamment non plus et t'aimes pas les fights longs, d'accord? Parce que quand tu dis fight rapide, l'opposé c'est fight long. Et Ouais. ensuite, quand tu dives, t'aimes pas les targets, les cibles. Qui Avec peuvent des CC, s'échapper, ouais, qui peuvent d'accord, ouais. s'échapper. Tu sautes sur Reaper, il s'échappe. Moira, il s'échappe. May, il s'échappe. Donc, c'est en fonction des compositions. Donc, tu as la map et ensuite tu as les compositions d'en face. Le problème, c'est que quand tu démarres, tu sais pas quelles compositions ils vont Ouais, tu sais avoir. pas ce qu'il y a en face, ouais. Donc, du coup, tu joues la map. Si tu joues la map, tu D'accord. vas déjà gagner 20 à 30% de win rate facilement. Ensuite, tu vas avoir la rush. Donc, la rush, c'est un autre style de jeu. C'est un style de jeu où c'est beaucoup plus rentre-dedans. Là, typiquement, tu vas avoir des compositions Reinhardt, Zarya, Reaper, May, Moira, Lucio. Et tu vois, ils ont tous une portée qui est courte. Lui, il a une portée de marteau, Reinhardt. Lui, il a une petite portée de son rayon laser. Le Reaper, il aime le corps à corps. May, elle a envie de te Ouais, bloquer, de de te tuer. freeze, donc Ouais. c'est au corps à corps. Moira, elle soigne pas de loin, etc. Ouais, Donc là, ouais. t'as que de la courte range. Donc Ouais, là, d'accord. c'est des gens qui vont vouloir jouer au corps à corps. Ouais, C'est des cac, judokas. Et donc du coup, eux, qu'est-ce qu'ils aiment pas? Ils aiment pas les longues portées. Les longues portées, ouais. ça veut dire que il faut courir 500 km avant d'arriver sur Ouais. la cible d'en face. Donc ça, ils aiment pas. Et ainsi de suite. Et eux, par contre, ils n'ont pas du tout de verticalité. Donc si toi, tu joues une dive et que tu joues en hauteur et que tu les harcèles suffisamment longtemps et que quand ils ont plus de ressources, tu finis la dive, tant mieux. Maintenant, si tu joues la dive mal, c'est-à-dire que dès le début du combat, tu leur sautes dessus, c'est toi qui perds. Par contre, si tu Ouais. joues lentement, c'est une question de rythme, si tu joues lentement, que t'attends qu'ils gaspillent leurs ressources, typiquement, Ouais. t'attends que Reaper il casse sa forme fantôme, que Ouais, May elle ouais. casse son glaçon, là tu sais qu'après tu peux les agresser. Donc c'est Ouais, beaucoup une question de d'accord. tempo et de rythme. Ouais, Ensuite, d'accord. tu vas avoir un autre type de composition, c'est ceux qui aiment bien jouer de loin et qui aiment spam. Et donc là, du coup, en termes de tank, tu vas avoir par exemple Orisa, qui elle a la même force que Reinhardt, c'est-à-dire elle pose un shield, mais en plus, qu'elle soit loin ou près, elle peut te spam en permanence. Donc du coup, si tu as une map avec des hauteurs, que tu joues contre une composition en face qui est rush, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir te sauter dessus, et toi tu es en haut et tu peux les spam en permanence, forcément sur le papier, tu as 95% de chances de gagner le combat. Ok, d'accord. Je Voilà. voyais pas, tu vois, ça typiquement, c'est un truc, voilà, je même pas, je me suis Eh même pas, ben, j'en avais une idée, tu vois. là, tu as ces trois types de compositions, Ouais, et d'accord. une fois que tu as compris ça, ces compositions-là, les avantages et les inconvénients qu'ils ont.
Après, t'as juste à le reporter par rapport à la map que tu es La map sur laquelle en tu train de joues. jouer. Donc là, je fais un exemple qui est ici. D'accord? Regarde pas les compositions qui sont choisies pour le moment. Là, c'est une composition qui est comme ça. Donc on peut jouer dive, on peut jouer rush ou on peut jouer spam. On va faire un exemple. Imaginons que toi, dans ton pool de personnages, tu vois que ton coéquipier, il a pris une Zarya. Donc là, tu te dis, bon, ben, si je joue Zarya, la seule manière d'accompagner cette Zarya, ben, c'est de Ça jouer va à être un... Reinhardt. Ouais, c'est un Tu Reinhardt. prends Reinhardt. Et imagine que tu ne lead pas du tout la game. Et que vous décidez de venir par le point central dès le début. Vous venez par en dessous et vous mettez sur le point. Donc toi, tu vas venir, tu vas dire, bah, tiens, je joue l'objectif, je me mets sur le point. Donc tant mieux. L'équipe d'en face, eux, ils vont jouer une poke. Donc ils jouent de loin. Ils vont se positionner là-dessus, en haut. Et ils vont faire ce que moi Pox, j'appelle. c'est loin, c'est ça. Pox, c'est ceux Poke, qui c'est loin. veulent. Poke, c'est vraiment le piou-piou, quoi. C'est je suis de loin et mon objectif, c'est de te maintenir à distance le plus loin possible, enfin, le plus longtemps possible. Augmenter ton temps d'exposition aux dégâts que je suis en train de faire. Et bien, cette composition qui est Poke, si tu veux aller la contester après avec ton Reinhardt, ben, tu es obligé de faire tout le tour, de remonter, etc. Et eux, Elle est ben, en ils font une défense glissée et ils vont s'éloigner de toi. Sauf que eux, ils mode. t'auront tiré dessus pendant 15 secondes. Toi, tu les auras pas touchés depuis le départ. Et si tu prends Overwatch comme étant un jeu avec deux jarres, d'accord? Tu prends deux jarres, une dans chaque équipe. Les ressources, Les healers, ils mettent de l'eau dans la jarre, d'accord? Ils remplissent, c'est des robinets. Les tanks, ils sont là pour colmater les brèches. Et les DPS, ils sont là pour fissurer les jarres pour que l'eau coule. Et ben là, il se trouve que toi, tu as mis beaucoup de DPS, enfin l'équipe rose ici, elle a mis beaucoup de DPS sur l'équipe verte. Donc, c'est très fissuré. L'eau s'est beaucoup diminué, alors qu'en face ça n'a pas bougé. Donc le combat quand il va commencer, bah, tu auras le On niveau sera de déjà en l'eau. désavantage. On sera déjà en désavantage par rapport à eux. Exactement. Et donc du coup, bah, ce delta-là, c'est une probabilité de victoire supplémentaire. Et ça, c'est comme ça que si tu vois le jeu, tu essaies de l'imaginer de cette manière-là. Enfin, même en faisant des reviews tout seul, tu vas vraiment comprendre énormément de choses. Donc là. Effectivement. Donc là, du coup, il n'y a pas de mauvaise composition sur cette map. Tu peux jouer rush, d'accord? Tu as le droit de jouer rush. Par contre, on va parler d'une autre notion, qui est la notion de chemin d'accès et de contrôle. En termes de chemin d'accès, avec ta composition, en jouant Reinhardt, tu peux passer à plein d'endroits différents. Tu peux Alors juste passer. pour moi je vois typiquement pour info au level auquel je suis, on peut tout le monde passe systématiquement par en haut. Oui, parce que c'est le chemin le plus évident. Ouais. Mais par rapport à la composition que tu joues, parfois tu pourras Oui, avoir non, des mais alternatives. ouais, mais déjà là, voilà, je sais que il a typiquement 90% du Mais temps. c'est bien d'avoir ça, de connaître cette information-là. Oui, non, Ça mais pour comprendre, ouais, tout à fait. veut dire que toi, demain, si tu veux faire un piège à l'équipe d'en face, bah, tu peux très bien essayer d'aller les piéger. Si tu sais qu'ils vont en haut et qu'ils ne peuvent pas t'atteindre, tu pourrais très bien venir avec toute ton équipe à cet endroit-là avec une spam. Qui fait que bah, du coup bah, ils seront bloqués, à un moment donné ils seront obligés d'aller sur le point. S'ils vont sur le point, tu vas les spam en permanence. Et quand tu as suffisamment fissuré la jarre, tu descends sur le point et tu finis les targets. Donc là l'objectif c'est de trouver le meilleur chemin d'accès par rapport à la composition que tu joues. Donc là pour ne pas te faire bloquer, il Donc faut en fait, absolument. faut pas que je choisisse mon tank par rapport juste à mon tank, mais par rapport à toute la team et donc le chemin et ainsi de suite, Ouais, c'est ça? alors pour bien faire, quand tu joues en équipe, c'est toujours les tanks qui choisissent en premier. Pourquoi? Parce que c'est le tank qui va t'imposer la composition. Ici, sur cette carte, tu as le droit de jouer spam. Tu peux jouer spam et jouer en haut. Tu peux également jouer de la rush. Tu as le droit de jouer avec ton Reinhardt Zarya en haut. Tu viens en haut pour empêcher justement que l'équipe adverse ne te mette en situation d'échec et mat. Si toi tu joues en bas et que l'équipe est en haut, c'est eux qui ont l'avantage entre guillemets géométrique et c'est eux qui C'est vont ça qui est normal. fissurer ton vase. Donc du coup tu veux absolument jouer en haut pour les empêcher d'avoir cet avantage-là. Tu joues pas en haut par plaisir, c'est vraiment pour empêcher davantage l'adversaire. Le truc c'est que si c'est pas toi qui choisis en premier, que tu laisses fuir tes DPS, si eux ils partent directement sur Genji et Tracer, bah tu vas pas pouvoir dire bah maintenant on est en rush. Parce que pourquoi? Parce que Genji Tracer, eux ils vont jouer C'est le deuxième sur les truc. côtés, ils vont flanquer, ils vont aller dans la backline adverse, etc. Et toi, tu as envie de rentrer dans le tas, mais tu vas rentrer dans le tas à 1 contre 6. Et donc, du coup, Oui, ça non, marche mais en pas. plus, oui, d'accord. Et puis en plus, il faut que je joue par rapport à mon équipe. Oui, Et non, oui. tu vois, déjà, même la partie POC, Massin, tout ça, j'en prends conscience maintenant et d'accord. C'est pour ça qu'il faut que toute ton équipe, elle joue le même style de jeu. Et donc, Ouais, pourquoi tu prends ce le tank qui est en compliqué en premier? solo queue. Et oui, et pourquoi tu prends le tank en premier? Parce que regarde,
Quand tu regardes regarde juste la première ligne qui est ici. À chaque Ouais. fois, t'as pas beaucoup d'alternatives. Tu vois, Ouais. c'est là où il y en a le moins. Mmh. Et donc du coup, c'est presque ton main tank qui va te dire D'accord, te qu'est-ce dire qu'il quel faut type prendre. de Si tu, si, phrase. si... Voilà. Après, tu as des alternatives. Des fois, tu peux très bien avoir sur de la spam un Reinhardt en plus de Orisa. Mais ça Oui, va mais être situationnel par rapport à ouais. une map donnée, par rapport à un style de jeu que tu veux faire. Voilà, mais c'est beaucoup plus situationnel. Là, la première ligne que j'ai fait ici, c'est vraiment la composition la plus classique. D'accord? Donc là, c'est deux shields et beaucoup de snipers pour tirer de loin, avoir des lignes croisées, etc. Là, ici, c'est beaucoup de gens qui sont au corps à corps. Ouais, qui sont plus proches, ouais. Voilà, et D'accord. après ici, c'est beaucoup de gens qui ont énormément de mobilité, qui vont pouvoir aller flanquer, et personne ne joue groupé, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est super important qu'en tant que tank, que tu comprennes le style Ouais, de jeu c'est ce que que je viens ton équipe a envie de de dire. faire. Ok. Donc, je te D'accord. dis pas qu'il faut que tu choisisses toujours en premier, parce que c'est vrai que quand tu vas faire de la ranked, c'est compliqué. Si tu peux choisir en premier, je vais dire n'importe quoi, tu viens, tu prends Winston. Et si tu vois qu'avec toi, ils prennent Hanzo et Fatal, bon, tu te doutes bien que tu vas pas sauter sur les gens. Donc à ce moment-là, tu peux switcher ton Winston par une Orisa en disant, ok, ils veulent jouer de loin, ils veulent jouer lentement, donc je vais prendre un personnage qui joue lentement. Donc tu peux t'adapter parce que toi, tu as compris le jeu maintenant. Ouais, tout Voilà. à fait. Mais D'accord. dès le départ, je pense que en fonction de la map, si toi tu proposes en disant, hey, je souhaiterais qu'on joue Poke, Dive ou Rush, potentiellement les gens vont t'accompagner dans ce sens-là. Tu peux leur faire des propositions parce que quand tu arrives dans une équipe, personne ne sait ce qu'il va jouer ou ce qu'il veut jouer. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, enfin, il Oui, puis suffit juste de demander. il y a même beaucoup de gens qui sont comme moi et qui n'ont aucune idée de ce genre de choses, quoi. Eh ben oui. Eh ben oui, clairement. Et donc, du coup, bah, c'est vraiment là que tu vas amener de la valeur. C'est que même si la personne ne sait pas forcément bien jouer la composition, le simple fait qu'elle joue un personnage qui est adapté à la map fait que tu vas bien t'en sortir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça a vraiment, ouais, ça a vraiment une influence sur le jeu, quoi. Ah C'est oui, ça. clairement. Ouais. Clairement. Clairement. Je vais te Bah, montrer un typiquement, peu. vraiment, c'est quelque chose, j'avais même pas aucune idée de ça, quoi. Je vais te montrer d'autres choses qui peuvent être intéressantes. Alors, on va parler un peu des tanks. On va faire un peu de théorie, je pense que c'est vraiment là où je peux Oui, je t'accompagner te le plus comprends, aujourd'hui. Sur la partie théorie, je me suis amusé à faire des sortes de petits diagrammes avec les forces et les faiblesses un petit peu des différents tanks. D'accord? Donc là, typiquement, Orisa, dans quelle situation tu as envie de la jouer? Orisa, c'est un personnage qui a un nombre de vies assez élevé, avec énormément d'armure. Après, il faut bien que tu comprennes l'intérêt de l'armure sur un personnage. oui, ça je le connais, c'est surtout pour les petits dégâts. Voilà, c'est ça. Pour les dégâts inférieurs à 6 de damage, tu vas faire une réduction de 50%. Et pour tout dégât à plus de 6 de damage, tu y 5 appliques moins 3. ou 3. Voilà. C'est pas repassé à moins 5 régulièrement? Non, c'est Non, moins 5. c'est moins 3. Moins 3, d'accord. C'est un truc qui a changé dernièrement et c'est moins 3. Ce qui fait que, par exemple, quand tu joues une composition dive avec Winston et D.Va, ils font plein de petits dégâts. Et donc quand il joue contre des compositions avec de l'armure, tant qu'il y a de l'armure en face, les C'est dégâts de toujours rien. Winston et D.Va sont divisés par deux. Et donc du coup c'est pour ça que c'est très dur d'aller dive une équipe qui avait Brigitte, une équipe qui a Ouais. beaucoup d'armure, parce que tu leur fais pas de dégâts. Ouais. Ça c'est important de le comprendre. Ouais, Voilà. d'accord. Donc Orisa, c'est tu vas vouloir jouer Orisa parce que tu as envie d'avoir de la présence sur objectif. Cette notion-là de présence sur objectif, elle est importante. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que, par exemple, si tu joues avec Hanzo et Fatal, et qu'ils mettent jamais le point, ils mettent jamais le pied sur le point, c'est dur, tu te retrouves tout seul souvent au milieu de la mêlée, et ça marche pas. Donc c'est bien de comprendre quel personnage va te permettre de mettre les pieds sur le point pour capturer l'objectif. Donc là, on va avoir Orisa qui a une présence sur objectif qui est correcte. Mais du coup, elle n'aime pas du tout jouer sur de la courte portée. Elle aime jouer sur des distances qui sont très longues. Elle a une capacité de contrôle qui est plutôt correcte avec sa alt. Et c'est pas un personnage qui demande des mécaniques folles. Tu vois, c'est un personnage où même si tu me dis t'as pas Oui. trop d'aim, tu es capable de la jouer. Moi, Par je la joue contre, un petit peu son différent. véritable point faible, c'est la verticalité. Ça veut dire que quand tu joues Orisa et que en défense, par exemple, tu prends une hauteur, si tu lâches ta hauteur pour X raison, parce que tu décides de descendre, bah, tu n'arriveras pas à remonter. Et parfois, le contrôle de la hauteur est tellement important que
T'as envie de prendre un peu plus de risques et d'être un peu moins frileux et de jouer un peu plus avec ta vie. Donc ça, il faut bien le comprendre. Après, t'as d'autres personnages comme Reinhardt, qui lui, du coup, n'aime pas du tout la distance. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ben, Reinhardt, il va aimer jouer dans un rush, il va aimer jouer sur des courtes portées, il va aimer jouer avec des personnages qui vont lui permettre de réduire la distance. Et donc, comment tu réduis la distance? Il y a plusieurs manières. Soit tu cours plus vite, et donc là, tu vas avoir un Lucio. Soit tu utilises des téléporteurs pour réduire sa distance et d'un coup, ou alors tu vas réduire la distance avec des étapes. C'est-à-dire que tu vas faire des points de contrôle, des points d'arrêt. Donc c'est-à-dire que tu avances, tu gaspilles ton shield, des ressources, et puis tu vas dire ok les gars, il y a une autoroute là, on prend en première sortie à droite, on s'arrête, on récupère nos shields, et après on y retourne. Tu vois, pour justement limiter ses dégâts contre les pokes. Et ça, tu vas l'avoir sur du King's Row, tu vas l'avoir typiquement sur Blizzard World. Blizzard World, tu as un premier rond-point, tu vas t'arrêter au rond-point. Et ensuite, tu vas avancer, ainsi de suite. Mais ça, c'est important en tant que tank de le faire de manière consciente. Parce qu'il y en a beaucoup qui appuient sur la touche Z et qui restent le doigt enfoncé et qui arrivent la fleur au fusil avec plus de bouclier et plus de vie quand le combat commence. Donc, il faut vraiment faire attention. Et si tu as compris ça, bah, du coup, tu vas beaucoup progresser, tu as plus de chances de gagner les fights. D'accord. Voilà, et donc OK. ça on pourrait le voir sur les différents personnages si tu avais besoin. Ensuite, il y a les différentes phases de jeu, et ça, c'est important pour comprendre le jeu. Une fois que t'as, ça, c'est la dernière planche que je vais te montrer, après, on fait un peu de gameplay. Le jeu, moi, je le découpe en trois phases complètement distinctes. Il y a avant que le combat commence. Il y a une fois que le combat est engagé, c'est-à-dire que ça y est, là ça y est, ça rentre dans le combat, t'arrives au corps à corps avec ton Reinhardt, quoi. Et ensuite, il y a une fois que le combat est terminé, le sort du combat est décidé, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire, par exemple, tu en as tué 4 en face, et vous êtes encore 6. Là, on est déjà dans la fin de fight, l'après-fight. Voilà. Une fois que tu as compris ça, à chaque phase, tu as des choses très simples à faire, auquel il va falloir penser. Ça, tu peux prendre un screenshot, tu peux l'imprimer, tu peux faire ce que tu veux, mais ce truc-là, il faut absolument que tu l'aies en tête. Là, ici, tu vas voir les phases de rotation. Les phases de rotation, c'est quel chemin je décide d'emprunter pour me rendre au combat. Et donc, ça, toi, tu me disais tout à l'heure, bah, moi, à mon niveau, les gens, ils prennent toujours l'accès principal. Bah, parfois, il faudra réfléchir et aider ton équipe en disant, hé, ne prenons pas la première à gauche, allons tout droit. Arrêtons-nous et repartons. Tu vois, ça c'est important. C'est la première chose à faire, c'est avant même le combat. Ça peut vraiment beaucoup t'aider. Quel chemin je dois emprunter? Ensuite, il y a une phase de spam. La phase de spam, c'est en fonction de ton équipe, en fonction de ce que tu as et de la composition qui est en face. Tu peux décider de dire le combat, je le prends maintenant ou j'attends. Si j'attends et que moi je peux leur tirer dessus et que eux ne peuvent pas me tirer dessus, mais forcément je suis en train de fissurer la jarre d'en face. Et donc plus j'attends, plus j'ai de chances de gagner le prochain fight. Donc tu peux partir sur des phases un peu de spam pour temporiser et faire en sorte que de retarder le combat. Ça, c'est typiquement ce que tu vas faire quand tu joues poke contre de la rush. Tu vas faire énormément de spam pour retarder le combat et faire en sorte que quand le combat commence réellement, au moment où tu commences à prendre des dégâts, on va le dire comme ça, tu as déjà pris suffisamment d'avance sur l'équipe d'en face. Ensuite, D'accord. tu vas essayer de maximiser ta charge d'ulti et de minimiser la charge d'ulti adverse. Ouais. D'accord? Donc typiquement, mettre une flame strike sur l'équipe d'en face alors que leur win condition c'est une nano blade par exemple, bah oui certes, toi tu vas peut-être gagner 10%, 10% de charge ultimate, très bien. En face, la healeuse, elle va gagner peut-être 15% de charge ultimate. Ouais. Tu n'as pas d'ulti défensif, et donc du coup, les 10% que tu as gagnés, c'est aussi 10% pour l'équipe d'en face. Et eux, ces 10%-là ont plus de valeur que tes 10% à toi. Parce qu'eux, ils jouent dive, tu vas KD personne, et eux, ils vont avoir une nano blade en premier. Donc, toujours bien réfléchir, est-ce que je veux charger mon ulti, je dois maximiser ma charge par rapport à celle d'en face. Donc, est-ce que je spamme pas, j'utilise mes ressources, j'utilise pas. Et enfin, quelque chose qui est aussi très important, c'est la phase de scouting. Scouting, c'est le fait d'espionner. Je te prends un exemple, envoyer ta Sombra chez eux au début du round pour voir quelle composition ils ont. Le fait de savoir la composition qu'ils vont avoir te permet de comprendre quelle est la probable rotation qu'ils vont faire. Est-ce que tu as envie de faire ou non du spam? Est-ce que tu as envie de maximiser ta charge ulti au détriment de la leur?
tu vois. Et ça, c'est vraiment l'information principale, c'est où est-ce qu'ils sont, par où ils passent, et comment toi, en fonction de ça, tu vas te positionner pour mieux les recevoir quand tu défends. Ouais, En attaque, c'est pareil. Hein. En attaque, tu dis, tiens, ils ont un bastion. Ok. Bon, ben, dans ce cas-là, plutôt que de les défendre à cet endroit-là, on va les défendre ailleurs. Super important en phase de scouting. Ensuite, ton objectif, c'est de passer d'une phase d'avant-fight à une phase de fight en maximisant les CD. Donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir le plus de ressources possible au moment où le fight commence. Et donc là, du coup, bah, il y a plein d'astuces après hein, que tu vas pouvoir maximiser. Mais ton objectif, c'est d'avoir le plus de chances possible, la jarre, le vase le moins fissuré possible. Ensuite, tu commences le fight. Et là, du coup, tu passes sur la gestion des CD en elle-même. C'est est-ce que Anna elle a toujours sa grenade? Oui ou non? Est-ce que la Moira elle a utilisé sa forme fantôme? Oui ou non? Non, elle a plus de forme fantôme. Ok, donc c'est elle qu'on doit aller focus, etc. Tu vois, c'est des choses comme ça, où en fonction des CD, tu te crées ou non des opportunités. Et dès que tu vois une erreur, bah, ça devient ta, tu fais une prise de décision et ça devient ta nouvelle target. Donc typiquement, tu joues Reinhardt, le shield de Reinhardt en face a cassé. Très bien, puni l'erreur, KD. Hop, c'est fini. Fin du fight. Voilà. Et une fois que le fight a une issue qui est favorable pour toi, à ce moment-là, tu vas passer sur une phase qu'on va appeler une phase de nettoyage. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de tuer le maximum d'ennemis pour Pour charger maximiser ta l'ulti. future charge d'ulti. Oui, Voilà. d'accord. Ensuite, une fois que tu as tué les ennemis, tu vas reprendre les positions qui t'intéressent le plus. Souvent, là, tu vas reprendre les hauteurs, reprendre les positions fortes. D'accord? Tu vas choisir l'endroit le plus idéal pour combattre. L'endroit le plus idéal, c'est pas forcément le payload. Ça peut être un choke, un endroit donné. Voilà. C'est ça qui va t'intéresser. Ensuite, tu vas avoir toute une phase de tracking. Ça, c'est quelque chose que je pense pas qui soit beaucoup fait à ton niveau, mais c'est quelque chose qui est essentiel dans l'esprit d'Overwatch. C'est de savoir quels ultimates il y a dans l'équipe d'en face. Ouais, ça. Typiquement, si en face il y a une Nano Blade ou un Shatter, tu vas pas jouer de la même manière ton Reinhardt. Voilà. Et ça, le fait de connaître cette information-là, qu'est-ce qu'ils ont, va te permettre d'établir un plan de jeu. Je te prends un exemple. Tu joues Zarya demain. Zarya, tu peux utiliser ton graviton de plein de façons différentes. Tu peux utiliser ton graviton de manière offensive. Donc, tu le mets et t'attrapes tout le monde et ton équipe et tue tout le monde très bien. Mais tu peux également utiliser ton graviton de manière défensive. Pour bloquer un Genji, par exemple, Une quand il Nano bloque Blade par exemple, si tu n'as pas d'ulti défensif. Et c'est pour ça que le tracking est super important de dire quelles ressources on a chez nous. Ok, on a une transcendance, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont en face? Ils ont un Nano Blade, ok. Bon, est-ce que je décide d'utiliser mon ulti de manière défensive ou pas, offensive? Là, ça va être le plan de jeu que tu vas définir. Mais tu vois, une fois que tu as compris ça, qu'il y a trois phases différentes, rotation, spam, charge d'ulti, scout, gestion des CD, on punit les erreurs. Et ensuite, on termine les cibles, on maximise la charge d'ulti. On récupère systématiquement les positions fortes. On anticipe les ressources qu'ils vont avoir pour le prochain fight. À partir de ça, on définit notre plan de jeu. Et c'est comme ça que tu vas gagner tous tes fights. Voilà, c'est vraiment le côté le plus important. Après, il y a un autre concept. Tout à l'heure, quand on parlait de phase de clean-up, je pensais te faire une dernière planche, mais c'est important. Ce que moi j'appelle le concept de la timeline. C'est-à-dire que très souvent, imagine que tu joues healer, tu as toute ton équipe qui est morte, tu as perdu 4 de tes coéquipiers, il reste toi et le Reinhardt. Et toi, tu continues à soigner ton Reinhardt, ou tu continues à te faire soigner, ou tu continues à shield le plus longtemps possible pour dire ah non, je veux pas mourir. Parce que c'est contre-intuitif de mourir. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que le temps. Tu fais perdre du temps à ton équipe pour revenir en fait, c'est ça? Exactement. Et quand tu sais que le temps dans Overwatch, c'est la ressource principale qui est liée à l'objectif de map, c'est que là, tu es juste en train de peut-être, De plutôt que de faire perdre faire ton 4 équipe. fights, tu n'en auras fait que 3. Donc, ça, c'est super important de comprendre que quand le combat est fini, hein, quand tu sais qu'il est perdu. Soit tu arrives à te barrer, soit tu te laisses mourir. Exactement. Et là, c'est la notion de prise de risque. Est-ce que je pense pouvoir m'en sortir? Dans ce cas-là, je m'en vais. Si je ne pense pas m'en sortir, il faut que je meure le plus vite possible. Et si je meurs, il faut que je meure sur l'objectif, systématiquement. Voilà. Donc une fois que tu as compris ça, déjà, le jeu est plus clair.
Le jeu est bien plus clair. Après, il y a d'autres notions qui peuvent être intéressantes, notamment les angles de tir. Donc, par exemple, là, tu as Ça, je connais un peu ça. voilà. Ça, par rapport au positionnement, tout ça, je. Voilà, tu as deux côtés, tu as dessus, et en fonction d'où tu regardes, tu vois, tu as des angles qui sont ouverts. Là, tu vois, typiquement, ce que je mets en pointillé, c'est le fait d'être au-dessus. C'est toute la ligne que tu as en plus que par rapport à si tu étais de front. Donc, ça, c'est super important. Et pareil sur le côté. Là, c'est tout ça, c'est les lignes supplémentaires par rapport à si t'étais de face. Donc, quand tu joues DPS, toi en tant que tank, c'est pas la meilleure value que t'as, mais c'est important de le comprendre et de Parce dire que à quand tes je joue DPS, go DPS, flanquer. ça j'en ai conscience de jouer Voilà. DPS de temps en temps. Donc, ça, c'est super, super important. Bon, allez, on va attaquer un peu cette game-là. Alors, Massacre. c'est dommage qu'on n'ait pas échangé avant parce que je t'aurais dit que le premier cours, c'est surtout un cours qu'on va faire théorique, moins sur la Oui, première non, mais heure. je m'en doutais, hein. Je m'en doutais. C'est important de qu'on ait le même vocabulaire et après Hein. du coup on peut analyser un petit peu plus les games à fond. Donc là du coup si on regarde ta composition par rapport à ce qu'on a dit, d'accord, jusqu'à maintenant. Ici tu joues toi Reinhardt. Donc Reinhardt par rapport à la composition qui est en face, tu ne veux pas qu'ils aient le top. Donc en termes de rotation, en termes de chemin, tu vas venir en haut pour être sûr que tu ne laisses personne en haut. Ensuite, on regarde ce que jouent les gens avec toi. Donc toi, ici, tu es short range. Rodog, il est plutôt short mid-range, d'accord? Il est moyenne courte portée. Moira, c'est courte portée. Et après, tu joues avec trois snipers. Donc déjà, de base, Il y a un problème. vous ne voulez pas faire la même chose. Donc là, ça veut dire que sur le point, tu vas te retrouver, toi, la Moira et le Rodog sur le point. Bah ça va, hein, parce que t'as du shield et Rodog, il a une zone où il fait peur aux gens. Mais du coup, si t'avais eu d'autres, je sais pas moi, si t'avais une Brigitte avec toi à la place de Lana, tu te sentirais mieux soutenu que Lana. Donc très bien. Donc là, tu vois un peu les notions de range. Ça veut dire que si les hauteurs elles sont perdues également, vous n'avez personne qui va pouvoir remonter aller contester la hauteur. Si ce Tout n'est à le fait. Hanzo, mais le Hanzo, c'est pas Hanzo qui va aller faire partir, qui va prendre le duel. Donc là, dans ta composition, tu sais que les hauteurs, systématiquement, quand les fights sont finis, il Remonter. faudra que tu montes systématiquement. C'est ta compo qui te l'impose. Ensuite, en face, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Ana, ok, qui va jouer long range. Il y a le Reinhardt qui joue short. On a Naruto là, qui lui va jouer sûrement long range. Merci, elle tape pas, d'accord? Donc on va pas la compter. Le chacal il joue en AoE. Donc là, il y a des personnages qui vont être regroupés. Donc lui, il a de l'influence que sur trois personnages, hein, le Junkrat. Donc ça veut dire que toutes les cartouches elles sont pour toi. C'est ça que ça veut dire surtout. Ça veut dire que c'est toi qui vas être la cible principale avec le Rodog. Et Il va essayer de ensuite, casser mon shield et tout. on a le. Donc lui, il est plutôt short mid. Midrange, Et lui mid. Donc là en face, toi tu vas avoir du mal à aller accéder à eux. Hein. Le bastion il va te mettre tellement de pression que tu vas devoir shield en permanence. Le fait que tu shield en permanence fait que le Reinhardt en face va pouvoir te taper dessus en permanence. Ils ont deux shields, ce qui fait que les snipers ils vont avoir du mal à pouvoir taper comme il faut. Et tu as le heal également. Donc si toi tu es dans cette position là. Que tu as un shield qui est là et que ta Ana elle se trouve derrière, ta Ana elle peut pas te soigner. Donc ça veut dire que tu es vraiment dans une situation qui risque d'être délicate. Oui, clairement. D'accord. Reinhardt, je dois dire que j'ai mal à la tête. Et on va regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a des conditions de victoire, est-ce qu'il y a des combos, des choses comme ça dans votre équipe qui vous permettent de gagner un fight simplement? Je sais pas, en combo pour moi, il y a possiblement Ana qui me nano si je sais pas si ça se fait encore, mais ça Ça peut se fait être pas possible. trop chez un Ça nano, se un fait pas Reinhardt. Maintenant, c'est plus pour le sauver que de lui permettre de faire des trop. dégâts. Maintenant, t'as pas de vrai combo. T'as Ah, le pas, par panneau. exemple, si lui jouait une Zarya, si ton Rodok jouait Zarya, t'aurais, je sais pas moi, un Graviton et un Dragon. En face, il n'y a pas d'ulti défensif. Donc, ça, c'était une win condition facile à mettre en place. Avec personne, si ce n'est le Sigma, pour avaler le Graviton et le Dragon. Donc, t'aurais qu'un seul contre, qui aurait été le Sigma.
avec aucune autre condition derrière qui te permette de bloquer ça. Et donc, tu aurais juste eu, en termes de gestion de CD pendant la phase de combat, à checker si lui ou non, il est Un en vaisseau. position de mettre une matrice. Donc, D'accord. soit il n'a pas la matrice, et là, du coup, tu fais ce que tu veux, soit il a la matrice et tu te débrouilles pour quand même réussir à faire ton combo. Mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de possibilités de contre. Et tu as besoin de changer juste ici, une personne. Zarya. Donc toi, en tant que tank, demain, en ranked, tu peux dire, on n'a pas de condition de victoire. Est-ce que, s'il te plaît, monsieur MHHH 3R, là, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, passer sur une Zarya? Il te dit oui, tant mieux. Il te dit non, bah c'est pas grave. Tu vas essayer de fonctionner autrement. Voilà. Mais tu n'as pas de vraie condition de victoire. Aucune. Et donc là, bah, c'est des compos un peu bizarres, quoi. C'est un peu chacun joue son main et puis. C'est oui, bah c'est de toute façon à ce niveau-là, à ce rank-là, à 1600, 1800, c'est ça. Et ouais. Mais si toi, tu peux lead ton équipe pour les aider, c'est bien. Donc là, c'est bien. Moi, je vois un bon réflexe, c'est de regarder où est ton équipe. Donc de voir si elle te suit ou pas. Ça, c'est un super réflexe. Après, tu pourrais le faire. Tout en marchant, en faisant clic droit, clic gauche, tu vois. T'es pas obligé de t'arrêter pour te retourner, ça te permettait de continuer à gratter. Parce qu'en fait, si en face ils étaient venus avec un Reinhardt, que ça joue avec une Mei, etc., enfin, dans d'autres circonstances, le premier qui arrive dans l'open permet à son équipe de prendre tout l'espace. Et comme ça, les autres d'en face, ils sont cantonnés à être à un seul endroit. Ce qui fait que vous, si ça fait un entonnoir, vous, tous les dégâts, vous les mettez à un seul endroit. Alors que eux, ils doivent le mettre à plein endroit différent. Ça me fait penser un peu, tu sais, comme quand tu prends un rayon de soleil avec une loupe, où tu focalises tous les rayons de soleil à Je un vois ce seul que tu veux endroit, dire. ça brûle, alors que sinon, c'est dilué et ça fait juste de la lumière. Bah, c'est exactement ce principe-là. Donc là, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure? En termes de positionnement et de chemin d'accès, je fais exprès de décomposer. Toi, tu prends le top. Donc ça veut dire que personne ne va venir t'embêter. Tu joues avec plusieurs snipers et eux ils vont en bas. Si toi t'es en haut et que le Reinhardt il shield, comme on a pu le voir sur la photo avec les angles de tir, bah toi tu peux quand même leur tirer dessus en permanence. Et là du coup tes snipers, plutôt que de se mettre derrière toi, bah, il va falloir qu'ils essayent de flanquer en se mettant à différents angles pour tirer, un peu comme les cowboys et les indiens là, dans les petits westerns, en haut du canyon. Et de tuer tous les gens qui sont en bas. Tu vois? Et là, toi, t'as juste à être patient et à shield tranquillement. Tu vois, là, ce mec-là, là, qui se retrouve tout seul au milieu, sans protection, bah, là, tes snipers, bah, ils doivent venir et ils doivent essayer de le tuer. Et c'est vraiment. Là, c'est une erreur. Typiquement, il y a une erreur de positionnement du joueur d'en face. Et là, bah, vous avez juste à venir et les sanctionner. Toi, tu ne crains rien depuis tout à l'heure. Hein. Là, pour le moment, tu crains rien. Oh là, oh là, oh là. Eh bien là, c'est la première erreur. Alors, ce que je venais de dire, c'est quoi? C'est, t'es en position forte. Et je descends pour Voilà. ouais. Et donc, le seul truc qu'il faut regarder maintenant, c'est si tu prends une ligne de temps, qui est comme ça, tu dois te poser la question, à quel moment je descends? Et tout à l'heure, on a dit, on va regarder Ils ont les pas jars. ouais. On Mais regarde là quand est-ce qu'on a pris pour le l'avantage. moment ils ont pas été ils ont pas suffisamment été Oui. diminués. Donc C'est je suis ça. descendu trop tôt en T'es fait. descendu trop tôt. C'est juste une question de rythme. C'est pas une erreur hein, de décision. C'est juste une question de rythme. C'est pas fait au bon moment. Et là, du coup, bah. Vais me faire punir. Ouais, alors après, ça peut peut-être bien se passer. Hein, d'accord? Ça veut pas dire que c'est foutu. Mais c'est juste que, bah. Tu pouvais gagner à 100% sans prendre de risque et maximiser tes chances. Non, mais en face ils sont trop désorganisés. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Ça, c'est pas mal. J'aime bien la charge. Pourquoi? Parce que bah, en face il va te contrecharger. Il est obligé. Et du coup, bah, le mec il est couché par terre. Toi, t'as plus de DPS que lui parce que t'avais déjà tué ceux qui étaient en face. Et donc, du coup, bah, ça te permet de trade entre guillemets, de dire je me mets hors jeu, je le mets hors jeu. Et moi, je sais que j'ai mes coéquipiers qui sont derrière, donc grâce à ça, on va transformer l'essai, c'est nous qui allons gagner. Alors, tu shields beaucoup. Tu shields beaucoup, beaucoup, j'ai l'impression.
Donc là, du coup, on est sur une phase de quoi? Une phase de clean-up Ouais. à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est une phase sur laquelle on ne doit prendre zéro risque. Quand tu Ouais. reprends la timeline de tout à l'heure, Ouais. s'il y a une seule personne de chez vous qui meurt maintenant, il se resynchronise sur l'équipe d'en face. Et en termes de positionnement, en termes de route et de rotation, si toi tu défends là, eux ils ont quoi? Ils ont juste ce chemin à parcourir, du spawn jusqu'à l'escalier. J'aurais dû repartir de l'autre côté et reprendre le point haut là-bas, quoi. Et ouais, alors que ton coéquipier, il aura toute cette plateforme à traverser en plus. Donc du coup, l'espace fait que si tu as un coéquipier qui meurt maintenant, c'est eux qui ont l'avantage, en fonction Ouais. de la position où tu veux défendre. Donc là, pas de risque. Ton shield, te le fais pas casser, attendez. Et puis voilà. De toute façon, le bastion, il va pas pouvoir rester là longtemps. Hein. T'as les snipers qui vont venir, qui vont reprendre position. Là, le point, il est à vous. D'accord? Donc la banque de temps, elle est en votre faveur. Donc c'est pas à vous de prendre des risques. D'accord, C'est à l'équipe d'en face de prendre des risques. Et ouais. Tout à donc fait. toi, tu es là pour maintenant essayer de leur tendre des pièges et de les sanctionner. Et donc là, du coup, bah, à ce moment-là, bah, ce que tu peux faire, c'est arrêter de shield. Parce que là, de toute Me façon. cacher pour recharger mon shield Voilà. tranquille et essayer de faire le tour pour remonter. C'est ça. Là, la question c'est que tu dois te poser, c'est là, tu es en train d'engager des ressources, d'accord? Tu fais des dépenses, tu dépenses tes Ouais. ressources, et tu dois te poser la question de, est-ce que c'est des dépenses qui ont de la valeur? Et là, moi, j'ai envie de dire, tu Il y en a gaspilles pas. ton argent. Ouais, clairement. Pourquoi tu gaspilles ton argent? Parce que bah je fais descendre mon shield et alors qu'il faudrait que je le fasse qu'il soit full au début du prochain combat. Ouais. Mais c'est surtout que quand tu dépenses de l'argent, c'est un investissement. C'est que tu attends un retour Oui, dessus. alors que là, il n'y Là, en a pas. est-ce qu'il y a des personnes qui sont derrière toi? Non. Est-ce que toi, tu as de la valeur à le regarder? Donc, autant se cacher, récupérer tes ressources, permettre à Tahana de venir te soigner. Parce que là, si ton shield il casse, alors lui ce qu'il se fait comme ça, parce que lui fait une erreur, c'est que lui, il avance. Il se dit, j'ai mon Reinhardt qui est à côté. Et il se dit comme ça, si j'ai un problème, je recule et je me mets derrière le shield du Reinhardt. Sauf que le Reinhardt, il se fait casser son shield. Donc quand ton shield il va casser, toi tu vas te barrer. Et ton Rodog, il va se retrouver tout seul au milieu de la mêlée. Derrière. Pas besoin d'attendre très longtemps. Et là, lui, il est hors jeu, il est hors position et il peut mourir à tout moment. Donc là, si par exemple, je sais pas, moi, il y a Noana qui l'endort, bah tiens, bah, il est mort tout court. Il est mort tout court. Tu vois, c'est juste une question de si toi tu n'étais pas venu et tu n'avais pas Il trade aurait de pas su. ressources, tu l'as conforté dans son erreur. D'accord. Donc tu me parlais tout à l'heure de est-ce que c'est une erreur de ta part? Non, c'est pas une erreur de ta part. Est-ce que toi t'as une erreur où t'es sanctionné? Non. Mais du coup, ça fait un effet un peu boule de neige où tes coéquipiers se font avoir. Et là, c'est la pire des situations parce que ça y est, eux en face ils viennent de se regrouper. Et donc, tu passes d'une phase de clean-up où l'avantage numérique était pour vous, à une phase de maintenant, c'est eux qui sont en supériorité numérique et en plus, tu n'as plus de ressources. Regarde la différence de ressources. Toi, tu as Non, combien? 900 de shield. Le mec qui vient d'en face, 1006. mais Donc, tu as déjà une balance 1, 2, 700. 700, ça correspond à 3 personnes, quoi. ouais, mais je voyais pas du tout ça comme, enfin, tu vois, la gestion des ressources, tout ça, c'est quelque chose. Effectivement, c'était pas du tout. Voilà, la charte était pourrie, mais que je voyais pas du tout comme ça. Effectivement, c'est un autre point de vue qui est complètement différent. Ouais. C'est pour ça que j'ai pris le coaching, hein, Ouais, justement, t'as parce bien que fait. Hein. mon point de vue, il était pas bon, et donc mon but, c'était de. Ouais. Là, on vient d'entendre un truc à ce moment-là. On a entendu le slip. La personne la plus dangereuse en face, c'est ces deux mecs-là. Bah là, j'espère que tu vas leur mettre un joli shatter. Parce qu'il n'y a plus rien qui peut te contrer. Un peu tard. Un peu tard. Un peu tard. En termes de prise de décision, après, il va falloir que tu. Alors, je sais pas comment est-ce que toi tu veux faire tes shatters. Est-ce qu'il y a une façon de faire des. T'as une façon particulière de faire des shatters ou pas? Est-ce que t'en sens une situation? En général, des fois enfin, je sais pas, non. Enfin, en général, j'essaye d'éviter que j'essaye de prendre deux, trois personnes. Bon, après, il y a des moments où c'est plus, mais en général, deux, trois personnes. Le but étant que bah il n'y ait pas de Reinhardt en face ou le truc qui puisse le bloquer, mais Ouais, ce t'as que tu pas veux dire de. par En fait, c'est que parfois tu pourrais avoir des astuces particulières. Typiquement, pour faire un shatter, tu pourrais non, c'est au feeling. demander.
Tu pourrais demander à ta diva de balancer une bombe, faire en sorte que le Reinhardt d'en face se retourne parce qu'il veut pas mourir de la bombe, et pendant qu'il est retourné, bam, shatter, tu vois. Non, non, j'ai pas ce genre de choses-là. Soit j'attends que le shield du gars soit pété, soit des fois c'est moi qui contourne et qui essaie de faire un shatter dans le Un petit dos. flanc, ouais, ok. Donc t'as quand même cette notion de flanking, Ouais. mais c'est vrai que tu as énormément de façons de setup un tour ultimate. Shatter, ouais. Et ça, du coup, il faut essayer de trouver ces astuces-là. D'accord. Typiquement, une des astuces les plus simples, c'est d'attendre que le Reinhardt d'en face fasse une frappe enflammée, quoi. Et à chaque fois qu'il fait une frappe enflammée, tu sais qu'il n'a pas le temps de remettre son shield et que bam, si t'es suffisamment réactif, là tu le sanctionnes. C'est ces moments-là que tu vas essayer de guetter, c'est les erreurs. Ça, c'est un moment d'erreur. Ou alors, l'erreur, c'est toi qui la provoques. Typiquement, quand tu demandes à ton coéquipier d'envoyer une bombe de diva par derrière, de le forcer à se retourner, là, tu crées une erreur. Après, il y a des moments où tu vas jouer sur la manipulation de la tension. Typiquement, je te prends un exemple. Le mec, il se cache derrière le payload, et puis bam, il te met un shatter en dessous du payload. Et là, t'as pas fait attention, Ça, mais tu te le prends quand même. Voilà. j'ai remarqué que ça passait, donc ça m'arrive de le faire. Voilà, il y a plein d'astuces comme ça qu'il faut essayer d'aller essayer de gratter pour justement maximiser sa capacité à faire un shatter. Et pour moi, un shatter réussi, c'est pas un shatter de 6 personnes. C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y en a qui me disent, moi j'essaye j'attends d'en avoir le plus possible. Tu vois, il y en a qui me disent ça. Et donc là, je suis content parce que tu me dis, bah non, moi même deux, je le prends, quoi. C'est ça. Bah, moi, je pars du principe que quand il y a un bastion qui est en face, et que c'est vraiment la personne la plus dangereuse, si tu le laisses installer, t'es mort. Donc déjà, si t'enlèves le bastion du combat, moi je mets un shatter. D'accord. Ça me dérange pas de mettre un shatter juste pour le bastion. Si derrière, je suis sûr de le tuer. Ça me dérange pas. Donc là, pam, 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 on est en train de retourner sur le fight. Donc là, du coup, c'est pareil, t'es revenu, t'es en train de shield. T'as plus aucun coéquipier. Donc là, déjà, à ce moment-là, t'es en train Là, de cramer tes ressources. d'accord. Et au-delà de ça, tu es en train de cramer ton scouting. Ça veut dire que eux, ils savent maintenant que le reste de ton équipe va Va vouloir. probablement prendre ce chemin-là. Maintenant, tu fais une phase, tu fais quelque chose de différent. Tu viens et tu te mets là. Admettons, tu te caches ici. Qu'est-ce qui se passe? Mais eux, ils savent pas où t'es. Donc ça veut dire que le bastion, potentiellement, ou le reste de l'équipe, eh bien, ils vont peut-être se diviser. Peut-être que tu en auras deux ici, que tu en auras un par là, tu en auras deux là et un ici. Ce qui fait que quand tu vas décider de prendre un chemin, bah tu vas peut-être passer le début du fight à 6 contre 2. Et c'est à ce moment-là que tu vas potentiellement avoir la capacité de récupérer des gens à tuer. Donc là, le combat a pas commencé, que tu as déjà perdu la moitié de ton shield. Après, notre truc, tu sais comment fonctionne ton shield ou pas? Oui, s'il casse, il met plus de temps à revenir Ouais. que si je le mets tout seul, enfin que si je le range tout seul, ce genre de choses-là, et il se régénère petit à petit. Ouais, alors Ok, ouais. quand tu ranges ton shield, il met quelques secondes avant de commencer à se régénérer. C'est ça. Et là, regarde ce que tu fais. Je te remets quelques secondes en arrière. Hop, je me remets sur ta vue. Je ralentis. Hop. Donc là, tu donnes ton shield gratuitement. Voilà, la moitié du shield. T'arrêtes. Donc J'attends là, pas il va qu'il commencer à se recharger. Et là, tu empêches qu'il se recharge. Tu le remets, mais il prend pas trop de dégâts. Là, du coup, tu prends les dégâts avec la tête. Je suis un homme neuf. Et là, tu remets ton shield. Tu vois, ton shield, tu ne t'en sers même pas. Et tu es juste en train de l'empêcher de se régénérer. Ouais. Et là, du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire pour. Partir et me cacher et attendre qu'il recharge C'est complètement. ça, tout simplement. Là, il faudrait partir avec tes coéquipiers. De toute façon, tu vois, il y en a qui sont loin. Donc, il n'y a aucune raison de rester là et de charger l'ulti du Sigma d'en face. Ouais. Il n'y a aucune raison. Sachant que toi, tu ne, tu, si tes coéquipiers sont capables de le tuer ou que tu as tout intérêt de faire une notion d'échange entre tes ressources de shield à toi contre les ressources du Sigma d'en face, parce qu'en face, ça va te permettre de lancer un combo. Tu vois, des fois, tu peux faire ça. Tu peux accepter de faire un échange de ressources. Mais là, t'as aucun intérêt à le faire, donc ça sert à rien.
Tu vois, là, t'as plus de shield, et là, du coup, t'es juste mort parce que t'as pas attendu tes coéquipiers et tu es allé tout seul. Et là, c'est plutôt bien joué, hein, la composition d'en face. Hein. Là, on parle de midrange, tu vois. Le Sigma, il est midrange, il se met à portée. Il est juste en train de vous embêter, mais des dégâts d'AOE. Et puis, il y a le Bastion qui dit, bah, les gars, moi, quand il y a Bastion, c'est comme s'il était en spam. Hein. Et donc, du coup, bah, maintenant, toi, la seule manière que tu as de gagner, ça va être de venir et de faire déloger le Bastion. Qu'est-ce que tu as comme ressources qui peuvent déloger le Bastion? T'as la coalescence. T'as un dragon. Là, tu es sûr que tu le déloges. Potentiellement, s'il n'y a pas de shield, tu peux le hook. Potentiellement, s'il n'y a pas de shield, tu peux le slip. Donc, ça va. Il faut juste, du coup, la ressource qui t'embête le plus pour le moment, ça va être la ressource qui protège le Bastion, à savoir le shield de ce mec-là. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il faut. Et là, du coup, en termes de ressources, tu vois, ta Moira, elle a claqué la coalescence. Alors que t'es plus là, tu vois, les ressources sont mal utilisées, elles sont utilisées à un moment où vous allez rien en faire. Donc là, c'est. Là c'est tout désorienté dans tous les sens et tout donc Ouais, là, c'est. Ça devient super bruyant. Ah, dommage, tellement dommage. Oui, alors ça, le charge qui passe à 2 mètres, mais le nombre de fois que ça me le fait, c'est souvent. Ah ouais. Super nano, hein. Ouais. Alors là, le fight pour moi, il est gagné, d'accord? À ce moment-là, il est gagné. Et là, tu prends des risques de te faire slip potentiellement par l'ana d'en face. Là, quand le fight est gagné, parfois en tant que Reinhardt, il vaut mieux que tu lèves ton shield et que tu laisses faire le reste de ton équipe pour aller tuer une Mercy. Et en fait, là, si tu shield comme ça, d'accord, je te le mets. Si tu shield, La nappe peut plus rien faire. voilà, l'ana ne peut plus soigner. Et Ouais. donc, quand tu commences à re-raisonner les jarres, tu as deux possibilités. C'est soit tu coupes le robinet et le niveau d'eau il ne peut que baisser, ou Ouais. alors tu essayes de fissurer et de faire des trous. Bah, Ouais. parfois tu as plus de débit, tu as plus d'impact sur le débit en empêchant que ça se remplisse qu'en essayant de faire des trous. Ouais, ça, ouais, je pensais jamais, ça, je pense jamais le faire. Donc en tant que Reinhardt, dès que tu as du shield, même avec Sigma, hein, même avec Ouais. Sigma, parfois tu peux, avec Sigma, ton shield, il faut que tu le vois de la manière suivante. Ton shield, avec Sigma, c'est des rustines, d'accord, que tu viens mettre sur ton vase pour éviter que l'eau coule. Mais le but du jeu, c'est de gagner le combat par rapport au remplissage de l'autre jarre. Et donc, du coup, plutôt que d'éviter de mettre des rustines pour éviter que l'eau coule, bah, parfois tu as plus intérêt à couper le robinet d'en face. Bien, ouais. Voilà, et c'est comme ça que la différence de niveau de flotte, elle sera pour toi. Donc, ça, c'est super important. Parce que là, du coup, sur un truc comme ça, à tout moment, vous pouvez tous prendre une grenade de Ana et ça peut retourner le fight. Ouais. Tu vois, elle a raté sa grenade. Mais là, si elle réussit sa grenade, qu'elle touche ta Ana, elle peut plus soigner. Si le Rodog, il se fait toucher également, il peut plus soigner. Et toi, t'es parti. Ils sont deux ceux qui gagnent. Hein. Ouais. Effectivement. Alors lui il a plus de charge, donc ça veut dire que tu pourras le charger avant lui et c'est toi qui gagne. Ça t'aide un peu du coup, c'est parti. Carrément, ouais, ouais, Tu me dis j'essaye complètement. de vulgariser, il y a plein d'aspects dont je te Ouais, parle pas. mais non, mais oui, c'est clair, mais pour l'instant j'ai pas le niveau, je pense, mais effectivement, là, je... Là tu sais que tu peux KD. Ouais, Là je crois que tu c'est ce que je vais faire. voilà, là tu sais que tu aurais pu, mais il n'y a plus besoin. Eh ouais, il n'y a plus besoin. Pourquoi il n'y a plus besoin? Bah parce que déjà il y a un Bob. Il Ouais. va falloir qu'il y ait du Bob et puis parce que j'avais pas vu. En fait, je pense pas suffisamment à faire un tab pour voir qui est mort en face. Donc là en fait, si les deux sont morts et je pense que je Tu le le. vois pas, d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, quand on revient sur les phases de jeu, en fait, parfois tu utilises un ulti à ce moment-là. Tu en utilises un. Les ultis, tu vas principalement les utiliser ici, qui vont être dans la gestion de CD. Et sur la phase d'après, interdiction, interdit, t'as pas le droit. Et donc, à partir du moment où le fight, tu considères qu'il l'a gagné, parce que t'as tué, je sais pas moi, les deux DPS en face, à ce moment-là, plus d'ulti. Et ton objectif, c'est vraiment de te focaliser sur on ne meurt pas, on termine ceux qui peuvent être terminés, et on garde nos positions, on fait le tracking. Et on essaye de savoir le plan de jeu qui est derrière. Parce que cette ulti que tu utilises là,
Bah, il Bah, est t'en perdu. aurais eu besoin encore plus sur le fight d'après. Alors, je te disais, des fois, tu utilises des outils pour passer d'une phase de l'une à l'autre. Je te prends un exemple. Ce qui marche beaucoup, ça va être un ulti de D.Va. L'ulti de D.Va, il y en a beaucoup qui l'utilisent uniquement de manière pour tuer les gens. Mais il est très fort pour gaspiller les ressources. Typiquement, tu peux utiliser un ulti de D.Va pour forcer l'immortalité de Baptiste. Et derrière, tu nanoblade. Et derrière, il n'y a plus rien qui te bloque. Tu peux utiliser l'ulti D.Va, par exemple, pour casser les shields. Ça fait 1000 de damage. Ça casse les shields. Et toi, derrière, tu peux shatter. Tu vois, il y a plein de façons de faire. Et un ulti de D.Va va cramer, par exemple, le jump de Monkey, les boosters de la D.Va d'en face, le speed boost de Lucio. Ça va cramer plein de ressources. Et du coup, après, toi, tu as l'avantage des CD. T'en as plus qu'eux. Et tu as trade ton ulti contre ça. Alors si en plus ton ulti il prend des kills, il en prend deux, bah si ton ulti il en prend deux, plutôt que d'arriver sur la phase de combat, t'arrives sur une phase de clean-up. Et c'est GG. Mais voilà, c'est comme ça que tu C'est dois pas le jouer. parce que tu tues personne que en fait c'est inutile, c'est ça peut Ouais. carrément être utile. Bah l'autre jour je coachais un mec qui fait un ulti de D.Va, il me dit ah, mon ulti il est nul, j'ai tué personne. Je lui dis mec tu rigoles, c'est grâce à ton ulti qu'on a pu tuer toute l'équipe. Parce qu'en face, il n'y avait plus de shield de Reinhardt, parce que le Monkey il avait plus de jump, parce que. Enfin, c'est ça qui a fait la différence en fait. Ouais, d'accord. Voilà. Ah mais je vois, d'accord, je commence à comprendre la différence de jeu. Ah ouais, là t'es enfermé là. Oui, oui. Moi j'appelle ça de la désertion. C'est là t'étais mal positionné et ça aurait pu mal se passer quoi. Voilà, encore un truc, je passe en plein milieu et j'en chope aucun, quoi. Bah en fait tu Et vois, c'était toi ta charge, ouais. tu la fais toujours, j'ai l'impression, de cette manière-là. Pour Souvent, ouais. passer d'une phase d'avant à une phase de pendant. Alors qu'il faut pas, en fait. Et c'est pas forcément à ce moment-là que t'as envie de le faire. T'as envie de le faire par exemple si, je te dis un exemple, le Reinhardt d'en face il revient du spawn, il Ouais. a claqué une charge pour venir, Ouais. ça veut dire qu'il n'a plus le CD de charge, ça veut dire qu'il est en face de toi, et que si toi tu charges, t'es sûr de l'attraper. Et il pourra pas te counter-charge. Tu vois, la gestion des CD c'est ça. C'est que tu sais D'accord. que là t'as Une fenêtre une dans laquelle, fenêtre qui vient de se créer. Après, tu te dis, j'ai une Zarya avec moi, il n'y a pas de Ana en face, tu vois, pour me purple ou il est tout seul, je peux le tuer. Là, c'est ok. Tu peux très bien charger le Reinhardt, tu sais que tu charges un shatter derrière, bam, tu te retournes, tu shatter tout le monde. C'est vraiment ça la gestion des CD. Et donc ta charge, bah, tu as plutôt envie de la garder en sanction de ce genre de choses-là. Pas pour engager systématiquement. Mais là, le pire, c'est que ta charge, elle est bonne parce que. En fait, t'as pris toute la. Alors, il y a ce qu'on va appeler la manipulation de l'attention. C'est-à-dire que maintenant, les gens, Ouais, il me regarde que moi, ils quoi. regardent que toi. Du coup, ils étaient tous paqués à un seul endroit et la coalescence a pu vraiment tous les mettre l'OHP ou les finir. Donc, ça, au final, ce que j'appelle souvent ça, c'est transformer la merde en or, tu vois. Là, la Moira, elle a été capable de transformer une situation qui partait pas bien en une situation à son avantage. Bon là par contre il faut qu'elle s'échappe. Allez hop, on réagresse, ça faut faire gaffe hein. Ouais. Parce que du coup tu vois comment tu te replaces? Tu te retrouves seul au milieu du pack. Ah et puis là t'as pas beaucoup de value hein. Là Je vais pour. choper Là je vais dans. choper question, mais il y a le Reinhardt qui s'est mis juste à ce Là moment-là. dans ton style de jeu, c'est shield charge, shield charge, shield charge. Pour le Ouais. moment. J'essaye de regarder si je vois autre chose. Mais... Je commence à. Là, ils ont repris le point et en fait, je commence à faire un peu n'importe quoi. Sur Ouais. les failles comme ça, au début, ça va. Là, Et puis. faut jouer slow. Là, faut jouer doucement. T'as l'avantage, c'est un descendre. Là, tu vois, typiquement, c'est comme tout à l'heure. T'avais pas besoin de descendre. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu veux passer Ouais. sur une phase de combat? Tu charges. Ouais. Et alors que du coup, c'est pas ça que t'as envie de faire. Ce que tu Ouais. dois faire à ce moment-là, c'est tu continues à shield. Mmh. Quand il n'y a plus de ressources en face, à ce moment-là, tu descends. Et ton objectif, c'est de faire en sorte qu'ils désertent, ils partent de cette zone-là.
Ton objectif, c'est de mettre de la présence sur le point. Ton objectif, c'est pas de tuer les gens, c'est de mettre de la présence sur le point et de créer de l'espace pour ton équipe. Et donc là, du coup, ce que tu as envie de faire, c'est de venir jouer à cet endroit-là, en regardant comme ça, ou de l'autre côté, en jouant avec le décor. Et chaque personne qui passe dans les petites surfaces que je vais dessiner en jaune, tu leur mets des coups de marteau. Et en faisant ça, tu bloques tout l'espace d'accès sur le point. Tu joues safe, c'est-à-dire tu joues en toute sécurité. Tu as ton shield pour te protéger si on essaye de venir, si on essaye de venir te taper. Tu as les éléments de décor qui vont te protéger tranquillement. Et tu laisses le reste de ton équipe profiter de l'espace que tu crées. Et tu auras plus de valeur en tant que tank à créer de l'espace que de prendre des pics avec un Reinhardt en Vendée. Moi je dis souvent un bon healer c'est un healer qui est vivant. Bah pour toi je vais dire la même chose, un bon tank c'est un tank qui est vivant. On va voir un petit peu la suite. Je vais finir cette game là. Après je te proposerai de t'arrêter là. Parce que j'ai un autre cours qui va commencer et je pouvais pas trop déborder. Non, bah là, tu débordes déjà pas mal, donc c'est sympa, mais ça m'aide beaucoup ce que tu me dis, et franchement, je vais reprendre route. Ouais, bah avec plaisir. J'ai déjà essayé de mettre un peu en pratique tout ce que je viens d'apprendre, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Je reprendrai des heures. Ouais, bah n'hésite pas, il faut regarder. Là, on n'a pas pu faire beaucoup de gameplay, mais c'est vraiment après quand tu regardes le gameplay que tu rentres dans les détails. Non, mais déjà, ça me permet d'avoir un autre point de vue. Ouais. D'un point de vue que j'avais pas du tout cette histoire de gestion des ressources, de tout ça. Moi j'étais plutôt dans oui, il faut que je protège mes coéquipiers, mais je vais essayer de prendre du kill en fait. C'était plutôt ça. Ouais, bah, là on vient de le voir hein, à l'instant. Je suis allé trop loin là, il fallait que je revienne. Et tu joues et t'as joué à la croix jaune plutôt qu'à la croix rose. Ouais, Et ça tu c'est. vois, à la croix jaune, quand ton shield y casse, t'as rien pour te protéger. À la croix rose, quand ton shield y casse, tu joues avec le pylône. Ça, c'est aussi du positionnement, ça. Ouais, mais ça, comme ça fait pas très longtemps que j'ai commencé à vraiment le mettre en place, que j'ai commencé à le mettre en place, des fois je fais mal d'erreur à ça. Tu vois, là, c'est encore pareil. Ton shield y casse et t'es en plein milieu de l'open, quoi. Là, ça va parce qu'il n'y avait pas de rayon. Mais donc, du coup, t'as pu absorber les dégâts. Mais quand il y a des rayons, comme s'y mettra, bah si t'es en plein milieu de la map, t'es au milieu de la map. Hein. Ah, il t'embête ce bastion, ça se voit, tu tunnels vision sur lui là. Ça fait tellement mal aussi. Et bah, en fait, c'est parce que du coup, tu fais pas forcément confiance à ton équipe, tu veux sauver la situation toi-même. Oui, mais ça c'est un défaut que j'ai, et même dans le boulot, et je sais. Ouais, faut déléguer là. Ouais. Là, ça va être plutôt à Rodog d'aller le hook, à Ana de le sleep, à Genji de deflect. Toi, au final, t'as pas vraiment de value, t'as juste une value défensive avec ton ultimate, mais c'est tout quoi. Et le truc après, Excuse-moi, avec ta matrice. Ah, y a un mec qui vient de le tuer. Non, mais c'est vrai, mais je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai du mal parce que des fois, on tombe. Enfin, à ce niveau-là, des fois, je tombe sur des gens, mais c'est à se demander si. Y en a, ils n'ont jamais joué, donc ils ne connaissent pas, mais. Ouais. Des fois, c'est vraiment. Enfin, moi, je me considère pas comme bon, mais ils sont encore plus mauvais. Donc, tu fais. D'accord. Ouais. Là, tu vois, tu viens de lâcher ta matrice. Pour rien avaler, juste en mode je vais avancer, je vais agresser. Là tu te mets sur le point mais c'est pas le moment quoi, tu vois. Ouais c'est 99 mais... Ouais la game était un peu compliquée. Bon ça marche. Bah au pas plaisir merci. En tout cas, hein, au plaisir. Moi c'était très agréable de t'avoir comme merci. élève. Ça et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et puis bah je vais essayer de mettre ça en pratique et puis de toute façon je te dis je vais très prochainement je vais sûrement reprendre des. Ah bah, avec grand plaisir en ce moment, j'ai un peu de disponibilité donc n'hésite pas. Et après, n'hésite pas non plus à laisser un commentaire après sur le Ça marche. site. Voilà, moi ça peut m'aider justement pour avoir d'autres heures de cours.
Ok. Et puis au plaisir, tu m'ajouteras, je te donnerai mon bétail comme ça à l'occasion. Si je peux faire une partie avec toi, ça Ça peut être marche. cool également. Ok. Bah merci beaucoup et puis bah écoute, bon cours. Ouais, bah merci, je vais enchaîner. Merci beaucoup. À très Ouais, vite. Je vais te faire un export après, je te l'envoie. ça marche, merci beaucoup. Ciao. Salut! Hop. Alors, les amis, je vais faire une petite pause également de mon côté. Et on réattaque à 17h pour un autre cours. J'ai pas beaucoup d'informations non plus dessus, donc on va voir. Et ça sera encore un premier cours. J'espère qu'on aura un peu plus de temps que là. Et puis je vous dis à très vite. Voilà, merci d'avoir participé au live. Vous êtes des amours. Allez, à tout à l'heure.